Oh,
vous avez de la voix ce matin, hein. Allez, lui, reprenez place, installez-vous. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas vous filmer, hein, pendant ce moment de louange. D'ailleurs, après ça, j'aimerais bien que l'on ait la deuxième caméra, donc je vais prendre celle-ci avec le travail. Et puis, j'aimerais bien qu'on ait le temps d'acheter la deuxième, vous avez le temps d'ici là. Et vous venez avec, comme ça, on essaiera de filmer, et puis vous prendrez un... Non, moi, je vais reprendre le trépied qui est chez moi, c'était le... là, ok. Donc j'en ai un à Jérusalem, j'en ai un à deux, pour pouvoir essayer de voir si on peut pas... Donc voilà, nous sommes réunis ce matin. Bon, j'aime après vraiment des temps très spéciaux. Et je me rappelle toujours, sans arrêt, c'est pas cette pensée spéciale, qui... une espèce de pénétration dans les événements. C'est pas une prophétie, c'est... Si, c'est une prophétie. Mais, pas, rappelez-vous, un train passe... Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend, selon les circonstances, peut en cacher un autre. Donc il faut être très attentif. Et nous avons vu que, eh bien, au cours des trois semaines écoulées, parce que j'étais avec vous, eh bien, nous avons vu que le train qui allait dans une direction, même pour certaines personnes, en réalité, s'est mis à aller dans l'autre direction, parce que ça a révélé, dans certains cas, qu'enfin des choses bonnes survenaient là où il y avait avant de la rébellion, on va le dire ouvertement. Et ça c'est bien, un mauvais train passe, celui de la rébellion, et puis voilà, on fait ce qu'il faut, et c'est l'autre train qui passe. Et là c'est un bon train, et dans certains cas il y avait aussi toutes les apparences d'un bon train, les apparences. Et puis le Seigneur a fait en sorte que le vrai train vient à contresens et révèle la réalité, la vérité. C'est comme ça. Et dans nos vies, c'est la même chose. Et je pense que nous devons être attentifs à ces moments quand Dieu révèle des changements profonds ou des réalités. Bon, c'est bien, mais quand c'est des mauvaises réalités, eh bien, c'est à nous, évidemment, de réfléchir et de prendre en compte. Et très souvent, malheureusement, lorsque, n'est-ce pas, un train passe qui donne des apparences bonnes, et que Dieu dit, mais je ne suis pas d'accord parce que tu es hypocrite, par exemple, excusez-moi, hein, c'est comme ça, ou bien, voilà, eh bien, je fais passer un autre train qui va montrer ce que tu es vraiment. Et dans ces cas-là, vous avez le choix de Caïn, de Judas, ou bien vous avez le choix de Pierre. Je vais vous parler de Pierre ce matin. Pierre qui va trahir le Seigneur, mais quand même, lourdement. Prenez même un autre exemple, mais qui va pleurer. Et en fait, qui va se convertir. Le moment de la conversion de Pierre, il est là. C'est quand il prend conscience qu'il fait mal, et il l'avoue, il le dit, il ne le cache plus. Je crois que pour beaucoup de personnes qui disent chrétiennes, ils ont accepté Jésus, mais quand le Seigneur les interpelle, leur montre leur réalité, ils en remettent une couche, c'est-à-dire qu'ils sont incapables apparemment de se repentir. Judas aurait pu se repentir, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'orgueil l'a emporté, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tous les disciples avaient abandonné Jésus. Tous. Pierre a voulu, parce qu'il est dans sa nature, de grand fanfaron, à ce stade-là, dire, mais moi. Et puis il a trahi quand même. Et lourdement. Il a menti. Trois fois. Il a menti. Mais, l'Écriture dit, il sortit et il pleura. Il a vu qu'il était en réalité. Et c'est là que Pierre est né de nouveau. C'est là que le Pierre fanfaron, le Pierre à qui Yeshua va dire un jour, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées du diable, de ta chair, de ton âme, de ta volonté qui est mauvaise. Et tu es fier d'être ce type qui dit, moi je vais te suivre jusqu'au bout, ou bien Seigneur, ça ne t'arrivera pas, parce que peut-être moi je vais te protéger, hein, c'est ça. Ouais. Vous voyez? Mais il y a ce moment
crucial. Et là, il y avait un train, le train de Pierre, qui était un homme charnel. Il y a un autre train qui va croiser. Et c'est un autre Pierre qui va naître. À partir d'un moment, mes amis, d'un seul moment, ne cherchez pas ailleurs le changement qui fait que Pierre, pas longtemps après, à la Pentecôte, amène au Seigneur, je crois que c'est 5000 personnes à Yerushalayim. Changer radicalement. Parce qu'il a connu ce moment de vérité. Mais beaucoup d'entre nous ne sommes pas capables. Nous fuyons, je vais dire ouvertement, la repentance. Le problème de nombre de chrétiens aujourd'hui, et là je prêche un message que prêchaient tous les revivalistes jadis, les vrais hommes de Dieu jadis. Je ne veux pas dire par là que je suis un véritable homme de Dieu, mais je constate que les vrais hommes de Dieu ont toujours prêché ce message-là. Repentez-vous. Tant que la repentance ne rentre pas vraiment, tu la fuis, ou tu fais semblant, ou tu la remplaces par tout ce que tu veux, tu t'agites, tu veux donner le change, tu te fais plaisir. Tu continues à chercher ton plaisir. Pierre, lorsqu'il dit à Jésus, « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. » Il se fait plaisir. Il fait plaisir à son éphèche, à son âme, à sa chair. « Seigneur, regarde comme je suis important. Tu devrais considérer que je suis ton grand ami. » Il n'y a rien de pire que les gens qui vous imposent leur amitié. Il faut tous se méfier de ces gens-là. C'est les pires. C'est ceux qui vous trahiront les premiers. Non, il faut passer par la nasse. La nasse profonde qui fait que... Crac. Et tant que nous n'y passons pas, nous ne naissons pas de nouveau. Nous ne naissons pas de nouveau. Ça, c'est certain. Donc, mes amis, nous allons, dans 3 semaines, nous retrouver pour Pessah. Nous avons une sainte scène. Je veux dire, je n'aime pas le mot sainte scène, parce que c'est... Dans les églises évangéliques, c'est du vin dans des petits godets, et puis c'est du pain, etc., du pain levé, alors que, non, pour nous, c'est important de prendre des matzot, du pain non levé, parce qu'il y a tout un symbole là-dedans. Le symbole, c'est que dans la matzah, il n'y a pas de levain, et que l'Écriture montre, le levain peut prendre 2 significations, ça peut être une bonne chose, il y a un verset de la Bible qui en parle très bien, mais dans ce cas-ci, c'est une mauvaise chose. Vous savez, quand quelqu'un cache du péché, il fait souvent comme le levain qui fait monter la pâte, il en fait beaucoup. Il y a des gens comme ça. Et puis un jour, on découvre le pot aux roses, mais c'est un hypocrite. Il fait lever la pâte avec beaucoup d'apparence. Mais on ne trompe pas le Seigneur. On ne peut pas le tromper, c'est impossible. On ne trompe pas l'Esprit de Dieu. Je me rappellerai toujours mes 4 fils, lorsque je revenais de voyage en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs, ils avaient peur. Parce qu'il savait que papa savait tout. Et effectivement, je savais. Parfois même, simplement avec une parole de connaissance spontanée, en les voyant, je disais, « Ah, alors, tu as fait ça ? Comment tu sais, papa ?» Mais parce que l'Esprit de Dieu sait tout. Mais parfois, il était un peu peur. On ne peut pas cacher à Dieu. Tu peux faire du carnaval, tu peux faire tout ce que tu veux. S'il y a de la corruption dans ta vie, eh bien le Seigneur, il va aller la chercher, la corruption, il va la mettre en lumière devant tous. C'est mis dans l'Écriture, et ça doit... Et béni soit celui à qui ça arrive, si ça doit arriver, c'est le moment d'avoir de la honte vraie, de cœur, de se repentir, et pas de jouer au bon chrétien. Il y a des gens, c'est terrible, dès que Dieu met le doigt sur le péché, il couvre tout de suite avec toutes sortes de dorures. Vous voyez, c'est de « Non, je suis gentil, je suis mignon, vous allez voir. » On ne te demande pas ça. On te demande de te repentir. C'est pour ça, la semaine dernière, j'étais un peu sévère. Il y a eu 2 repentances qui étaient importantes, dont une absolument spontanée, je ne vais pas vous la rappeler. Pour moi, c'était bien. Quand quelqu'un d'aussi jeune exprime devant tous
je veux demander pardon au Seigneur pour telle et telle chose, et que c'est sincère, et qu'on se précipite pour faire des cajoleries à la personne. Mais non, mes amis, laissez la personne qui se repent boire le calice de ce qu'elle vit jusqu'à la lie. Il y a si peu de repentance aujourd'hui, mes amis, si peu. L'œuvre majeure que le Seigneur a fait dans ma vie, dans un domaine particulier après ma conversion, où je résistais à Dieu, mais Dieu a poussé les choses jusqu'au jour où je me suis repenti de tout. Pas uniquement de ce qui m'était facile de me repentir. Mais aujourd'hui, vous savez, et je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu seront d'accord avec moi, on se demande vraiment s'il y a encore de temps en temps une vraie repentance. Autrement, mais la vie dite chrétienne, judéo-chrétienne, appelez-la comme vous voulez, n'a aucun sens, il ne suffit rien. C'est de la religion. Il y a des religions, il faut y aller. Il y en a qui ne vous demanderont pas. Un jour, j'ai prêché dans un temple protestant dans le sud de la France, il y a 20 ans de ça. Je vais vous choquer, mais ça ne fait rien. Il faut vous choquer un peu. Et quand j'ai prêché, il n'y avait aucune réaction. Et j'ai compris que dans toute cette assemblée protestante, pas un seul n'était sauvé, mes amis. C'était leur habitude, leur religion. Et après le culte, on a eu un temps à part dans un local, et les gens fumaient, buvaient leur whisky, et d'autres disaient, moi je fais du yoga, moi je fais ceci. Et le message, qui était un message, rien. Et puis j'ai dormi dans la chambre. Je ne donne pas de nom, donc c'est pas grave, parce que c'était mal à ce que je donne. Du pasteur et de sa femme, avec mon épouse et de son souvenir. Et sur la table de nuit, ils avaient oublié une bande dessinée, comment vivre sa sexualité dans le couple, avec les dessins, tout. Une BD du monde. C'est même demandé, ils voulaient quoi? Ils voulaient nous donner des conseils. Mais mes amis, voilà ce qui se passe lorsque l'on n'est plus que religieux, n'est-ce pas? Ça n'a jamais sauvé personne. Ça n'a jamais sauvé personne. Mais c'est le genre de pasteur qui vous fait ensuite des remarques théologiques trop pointues. Il y a de quoi pleurer parfois. Vous vous direz dans quel monde? On va lire la parole de Dieu, si vous voulez bien, aujourd'hui. Et puis je donnerai le passage, la parole à Shmuel qui va nous apporter quelque chose aussi. Et nous verrons si l'Esprit de Dieu a parlé de la même façon pour Shmuel et pour moi, peut-être différemment, on verra. Ok, donc Shmuel va vous apporter la parole aussi. Donc nous allons lire dans Marc 14, verset 54, un seul verset, vous voyez, c'est formidable, c'est un manie, un verset. Mais il y en a des choses parfois dans un verset. Avant, je voudrais quand même rendre grâce au Seigneur parce que l'on a appris beaucoup de bonnes choses. On a appris qu'il y avait eu beaucoup de réponses aux prières parmi nous. Merci pour Elisheva qui était censé devenir aveugle, figurez-vous. Eh oui. Et puis, on a prié, ou c'est moi qui ai prié pour toi, je ne sais plus, c'est moi. J'ai prié pour toi à Jérusalem et elle est retournée chez l'ophtalmologue, c'est ça? Elle a dit, mais là, il n'y a plus rien, c'est parfait. Et du coup, comme c'est une juive russe, assez laïque, à notre avis, complètement laïque, elle ne veut pas entendre parler de Dieu. Elle s'est posée des questions, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même, là, vous aviez un problème, dans le fond, les deux yeux, vous n'avez plus. Elle dit, mais c'est mon mari qui a prié pour moi. Ah bon, il prie, puis d'abord elle a rigolé. Et puis mon épouse a pu lui remettre un traité, je pense, hein, c'est avec Ésaïe 53. Et puis maintenant, voilà.
Voilà qu'elle se questionne. Donc c'est formidable. Ensuite, on a prié pour plusieurs qui avaient besoin de travail. Il y a eu des réponses. Que Dieu soit loué. Le lendemain, ça c'est quand même encourageant. Amen. Yann, ton fils. Et puis, qui encore qui a eu du travail? Benoît. Ah ben oui, mais Benoît aussi. Et puis, il faut continuer à prier pour lui. Et puis, il faut qu'il prie aussi, qu'il ait la foi. Parce que ça n'a pas de raison que ça s'arrête. Hein? Vous savez qu'il est, Benoît est une situation bien particulière. Hein? Il est indépendant et voilà, il a besoin de... Le travail vient d'un autre pays. Et par la grâce de Dieu, il s'installe ici. Bon, c'est bien. Mais il faut qu'il trouve du travail. Alors, je ne sais pas, de votre côté, ça va, ça avance. Il y a eu des nouveaux... Pas ça a bougé un petit peu ou pas? Pas encore. Il y a des devis qui viennent. Il semblait que ça avait bougé un peu, non? Non, ça avait bougé un peu. Des devis. Ah, tu as des devis. Oui, donc ça bouge. Oui, ça bouge. Il y a déjà les devis. Oui. Après, il y aura le tram et puis il y aura tout le reste. Bien, donc... je vous ai annoncé aussi que vous avez prié. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Et vous avez prié avec ferveur à la réunion de prière et... J'ai quand même l'impression que je suis complètement guéri. Mais il faut que je passe quand même voir ça par le médecin. Ça serait, en ce qui me concerne, un grand miracle. Je ne vais pas dire ici, puisque ça va sur YouTube, puis ça n'intéresse personne, savoir ce que j'ai comme problème de santé, mais enfin, problème de santé sérieux depuis des années, dû aux émotions brisées, aux douleurs, voilà, etc., etc. Bon. J'en dirai pas plus, c'est pas nécessaire. Donc, mais on loue le Seigneur quand même pour tout ce qu'il a fait de bon. Il a fait d'autres choses bonnes. Je vais pas tout réciter ici, parce qu'autrement, ça va ennuyer nos amis qui vont sur YouTube. Enfin, les ennuyer, non, ça devrait les réjouir. Mais nous avons aussi subi une grosse, grosse attaque. Hein. Et bien, nous voyons que le Seigneur est à la manœuvre et que, voilà, le but de l'ennemi est toujours de nous faire chavirer, de nous, si c'est possible, bah, il n'y parvient pas. Il n'y parviendra pas. Parce qu'il est écrit que l'enfer ne prévaudra pas contre l'Église. D'accord? On pourrait dire que l'enfer ne prévaudra pas non plus contre Israël. Vous savez, on a beau vouloir persécuter les Juifs, mais ils sont toujours là. Alors, les antisémites diront, oui, mais ils sont d'une intelligence diabolique. Tellement rusée. Ouais. Alors, voilà, je suis en train de... D'ailleurs, en parenthèse, je suis en train de lire et je vais lui écrire, parce que je crois que c'est notre devoir à nous, qui sommes au courant des choses. J'ai été par curiosité acheter le livre de Michel Onfray, vous connaissez? Alors j'ai commencé à lire ce qu'il dit de Jésus, etc. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il dit des bêtises. Bible en main, il dit des bêtises. Je vais lui écrire, monsieur, pour un intellectuel, il annonce que dans Matthieu 14, je pense, verset 3, non, Matthieu 2, verset... Alors on va lire ensemble, voilà, si monsieur Onfray veut m'écouter, eh bien qu'il sache qu'il est peut-être un grand intellectuel, mais il ferait bien de s'informer sérieusement avant de prononcer. Alors il dit des choses absolument affligeantes, disant que Jésus, on n'a aucune preuve de son existence. Sauf qu'en tant qu'intellectuel, s'il disait Flavius Joseph, un écrivain juif authentique, lui, qui a écrit, n'est-ce pas, dans la guerre des Juifs, qu'on parlait d'un certain Jésus à l'époque, n'est-ce pas, voilà, il saurait, donc il y a déjà là une trace historique. Alors on peut tout dire que c'est quelqu'un qui a rajouté ça dans le livre de Flavius Joseph. Allez, on peut aller loin comme ça. Alors je vous signale que Napoléon n'a jamais existé. C'est mon arrière-grand-père qui a écrit des trucs pour vous faire croire que Napoléon existait, mais il n'a jamais existé. Alors, par exemple, il dit dans Matthieu 2, au verset, il cite la référence, hein. Il dit, c'est où ça, verset? Non, c'est pas dans Matthieu, c'est dans, je t'ai dit la référence ce matin, c'est Marc ou Luc. On va y aller parce que ça doit être Marc, si j'ai, ou alors c'est Luc. C'est Luc, il semble être une... C'est Luc. Pardon, alors c'est dans Luc, je vais quand même aller voir dans Marc. Alors, dans Marc 2, verset 39, s'il y a un verset... 39, non, il n'y en a pas, donc c'est bien dans Luc. Donc, il dit dans Luc 2, verset 39, il dit que dans Luc 2, verset 39, il est écrit que Jésus est né à Nazareth. Il dit ça, hein? Et donc, les évangiles se contredisent. Certains disent Bethléem, d'autres Nazareth.
Ben, il a lu vraiment très vite, Luc 2, verset 39, parce qu'il est écrit « Lorsqu'ils ont accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Il ne dit pas que Jésus est né à Nazareth. Il dit que un peu plus haut, il s'est dit clairement, même dans Luc, que Jésus est bien né à Bethléem. J'ai bon souvenir, oui, bien sûr. Si on lit le chapitre premier, c'est clair et net. Hein. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth. Joseph monta de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Et Jésus est né à Bethléem. Donc, monsieur Michel Onfray, je vais vous écrire, car outre cette exploitation absolument indigne et même malhonnête, intellectuellement parlant, du verset 39 de Luc chapitre 2, vous énoncez des âneries inouïes. Vous savez, ils font presque un chapitre, enfin un demi-chapitre, non pas un demi-chapitre, trois pages de son livre sur un pseudo histoire de l'enfance de Jésus qui aurait été écrite par on ne sait qui. Et Jésus était un galopin désobéissant, méchant, qui disait déjà tout enfant à tel adulte qui le regarde à travers, toi tu vas mourir, et il mourait. Oui, donc voilà. Qui fabriquait des oiseaux en terre, glaise, avec de la terre et de l'eau. Et puis qu'il faisait ça le jour du Shabbat. C'est Onfray qui raconte ça. Alors il tire ça. Et que Jésus fabriquait, soi-disant, le jour du Shabbat, des petits oiseaux en argile. Hein, mais les dos, etc. Et puis son père a repris, il a dit, mais tu ne peux pas faire un travail le jour du Shabbat. Et Jésus aurait défié son père, donc Joseph, son père nourricier, il aurait claqué des mains et les oiseaux seraient transformés en vrais oiseaux et revenus au ciel. Donc il présente, vous voyez, alors il ne donne pas le nom de l'auteur de ce fameux livre, là on ne connaît pas, hein, mais il veut appuyer par là que tout ce qui est autour de Jésus, c'est de la. C'est des légendes, c'est faux. Vous vous suivez? Alors je vais lui écrire, je lui dis, monsieur, quand on cite un auteur, quand on cite un livre, on doit au moins citer son auteur et vérifier si l'Église a écarté ce genre de document parce que pas crédible du tout, n'est-ce pas? Voilà. Donc lui, il vous dira, évidemment, c'est parce que l'Église a peur de ce genre de document qu'elle l'a écarté. Mais vous savez, je vais écrire à ce monsieur, parce qu'il a mal digéré, n'est-ce pas, son enfance catholique, et voilà, c'est une manque. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, mais sachez que le monde est terriblement... Quand quelqu'un ne veut pas accepter la possibilité de quelque chose, c'est incroyable. Donc d'après lui, Jésus n'a jamais existé, c'est un mythe, hein, c'est un mythe. Comme il dit que toutes les religions sont fondées sur un mythe. Alors Mahomet, c'est un mythe aussi. C'est un mythe, quoi. Il n'a pas existé. Ah oui, on pourrait dire qu'il n'a pas existé, ça a pu être inventé, toute cette histoire. On n'a pas de traces aujourd'hui d'état civil, monsieur Mahomet, né à je ne sais où, à Médine. Mais ça ne le dit pas. C'est drôle. Bon, donc nous, on va revenir à la parole de Dieu, mais sachez que il faut s'informer un petit peu, il faut lire un peu, parce que ces gens-là font le buzz, comme on dit, hein, et puis, il manque de la plus élémentaire. D'ailleurs, j'ai déjà entendu plusieurs fois, je le suis, hein, dans les émissions, parce que c'est une personnalité influente dans ce monde, il faut être un peu au courant de ce que les gens disent. Et à plusieurs reprises, j'ai hurlé de rire, parce qu'il annonçait des choses sur le christianisme, mais je disais, mais il est allé trouver ça où? Dans la parole de Dieu. Il disait des choses contraires à ce que dit la Bible. Donc il a à peine lu, ou mal lu, ou lu avec des lunettes très spéciales, des lunettes de haine, mais pas des lunettes... Un intellectuel se doit être objectif. Quand vous parlez d'histoire, vous devez être objectif, vous ne devez pas faire dire au texte qu'ils ne disent pas. Donc je vais lui dire, monsieur, vous n'êtes pas... J'espère que vous êtes honnête, que vous avez été distrait quand vous avez interprété comme ça. Je l'espère pour vous. Mais vous devez rectifier aussi. Ah ouais, je veux dire. On pourrait presque l'attaquer, hein, pour diffamation. Ah oui, c'est de la diffamation. C'est mentir sur ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas ça. À moins qu'il ait eu la Bible écrite par, je ne sais pas moi,
gourou de l'an 3000, de l'an 300, j'en sais rien. Ok, revenons à nos moutons, comme dirait je ne sais plus qui. Marc 14, verset 54. Nous lisons ce seul verset et nous allons établir, je pense, j'espère, la parole de Dieu. Je vous avoue que je bénis le Seigneur de m'avoir demandé de ne prêcher que sur un verset, donc ça sera fatalement beaucoup plus court, parce que ces jours-ci, j'étais très, très souffrant, très malade. Et voilà, donc je bénis le Seigneur parce que je suis quand même, malgré tout, en état ce matin de vous apporter la parole. Donc on lit ensemble, donc c'est juste après que Jésus ait été saisi à Gethsémané, conduit, n'est-ce pas, pour interrogatoire, etc., etc. Et Pierre le suit. Et donc ici ils emmenèrent, Jésus, Yeshua, chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, donc tous les grands prêtres, les Kohen Gadol. Donc vous savez qu'en Israël, il y avait un rôle qui était tenu, c'était un Kohen Gadol, puis un autre, c'était toutes les... Non, c'est pas toutes les trois semaines qui changeaient, je sais plus, j'ai oublié. Et voilà que tous, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, plus tous les Kohen qui étaient là, qui attendaient leur tour pour devenir grand prêtre, plus les anciens et les scribes. Donc il y avait les anciens comme témoins, et puis les scribes qui prenaient leur tour. D'accord. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. La suite, vous la connaissez. Il va trahir trois fois le Seigneur parce que il est avec les serviteurs, là, autour du feu, dans la cour du souverain sacrificateur. Il a suivi Jésus, mais de loin, dit l'Écriture. Vous savez, il suivait Jésus de loin. Déjà, on est très loin du Pierre qui disait « Seigneur, je suivrai, suivi de loin. » Et ceci est évidemment... Alors, j'ai deux messages autour de ça. Je vais commencer par le premier. Je vais transposer un peu tous ces éléments par rapport à nos vies de croyants, de judéo-chrétiens. Et puis, je vous parlerai d'autre chose. Je vous parlerai de comment Pierre... J'en ai déjà parlé un petit peu en introduction. Comment Pierre, à l'occasion de cette défaite-là, est né de nouveau. Une défaite, un échec, c'est fait pour nous faire naître de nouveau, pour nous, si nous ne le sommes pas. En réalité, celui qui est vraiment né de nouveau, et j'en ai de plus en plus la conviction, bien sûr, il va encore pécher. Mais dans l'instant, ou dans les 5 secondes qui suivent, il va entamer quelque chose, il va commencer à dire « ça, je ne peux pas le laisser passer, je m'en repens. » Mais si je ne le fais pas et si je cache, eh bien c'est que je ne suis jamais passé par cette étape cruciale qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est le vide de mon cœur. Vous savez, comment ça se passe quand on accepte Jésus? Je ne crois pas qu'accepter Jésus comme ça... dans un moment sentimental ou même intellectuel, parce qu'on a compris que voilà, Jésus est le sauveur. Je pense que c'est pas ça qui nous... Ah, peut-être je vais dire une chose qui va vous choquer. Est-ce que c'est ça qui me sauve? Moi, je crois que ce qui me sauve, c'est quand Jésus qui vient vers moi est en conflit avec ma nature pécheresse et que je craque avec cette nature pécheresse. Que je me soumets au jugement de Dieu, en quelque sorte, qui me dit, mais tu es coupable, mais si tu te repens, je vais payer pour toi. Voilà la bonne nouvelle. Or, on a renversé tout le processus depuis des décennies en Europe. Tu acceptes Jésus et il fait tout le reste à ta place. Non, mes amis. Moi, je crois qu'on est vraiment sauvés, pas parce qu'on accepte Jésus, parce que Jésus qui vient à ma rencontre, c'est une question de vie ou de mort. C'est un ou c'est l'autre. Il y en a un qui doit... Pas Jésus, bien sûr, il est ressuscité. Mais je dois mourir.
Je dois mourir. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose. Il y a tout, tout ce qui a vécu jusque-là qui doit disparaître. Tomber dans le gouffre. Fini. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises n'ont aucune intention de considérer que tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils ont été jusqu'à un certain jour doit disparaître dans le gouffre. Si vous n'avez pas ce goût de cendre de votre vie passée, si vous n'avez pas la honte la plus profonde, pas nécessairement parce que vous avez fait le mal, mais parce que vous regardez votre vie passée comme une chose mais vaniteuse, qui est... Vous savez, j'ai retrouvé, grâce à Rivka, dans une librairie aux États-Unis, j'ai retrouvé la revue de théâtre dans laquelle le dernier spectacle dans lequel je jouais, qui avait reçu le prix européen du meilleur spectacle de l'année. C'était un chef-d'œuvre, disait-on, plus pour moi, esthétique et théâtral, artistique. Quand j'ai revu les photos de cela, j'ai été horrifié, j'ai dit, mais c'est la mort, c'est la cendre, c'est affreux, c'est pas que c'était laid, esthétiquement, c'est affreux en soi. Ça ne signifie rien. Comment j'ai pu espérer trouver là-dedans quelque chose qui donne un sens à ma vie? C'est ça, c'est là que vous savez que vous êtes né de nouveau. Pierre suivait Jésus de loin. Et beaucoup de chrétiens suivent Jésus de loin. De loin. C'est toujours intéressant, on ne sait jamais. Hein. C'est bon à prendre quand même. Vous voyez ce que il y a cette espèce de mentalité comme ça, bizarre, qui est au fond de la religion. Hein. Suivre Jésus de loin, c'est de la religion. C'est se dire... Vous savez, ça me fait penser, n'est-ce pas? J'ai été catholique, un catholique d'origine israélite, mais bon, bah, j'étais catholique. Et je voyais des gens, n'est-ce pas, je voyais des gens vraiment qui menaient des vies de patachons. Hein. Mais alors à Noël, il y avait la messe de minuit. Alors ils avaient la messe de minuit et ils avaient tous des évangéliques. Ils avaient même l'arme aux yeux. Minuit, chrétien, cela. Alors, waouh! Ils venaient chercher leur petite dose de faux salut. S'accrocher à quelque chose. Il vaut mieux y aller, hein, parce que c'est ça que je lisais sur les visages. Et puis ils sortaient à peine de là, c'était déjà parti pour le péché. Hein. Mais ils disaient, voilà, je m'accroche à Dieu, il vaut mieux. Hein, je m'accroche à Dieu. La Sainte Église catholique, la plus grande secte du monde, elle m'a dit que on s'occupe de toi, mon coco, ne te tracasse pas. On t'a inscrit dans le registre et tu es sauvé, hein, parce que tu... Les gens, ils croient à ça. Beaucoup de chrétiens catholiques vivent la même chose. Ils croient que parce qu'ils viennent au culte, ou parce que ceci ou cela, ils sont sauvés. Ils suivent Jésus de loin. Ils ne veulent pas se brûler les ailes, hein. Ils ne veulent pas brûler les ailes de leur... de leur nature qui n'est pas née de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, il faut mourir d'abord. Mourir. Il faut vraiment disparaître. Mourir. Je suis loin d'être parfait, mais alors très loin. Mais il y a une chose dont je suis sûr, ça fait plus de 35 ans que je vis d'une vie nouvelle et que tous les jours je la vis. Dès que je m'assieds le matin ou à n'importe quelle heure de la journée, que j'ouvre ma Bible, je sais que j'ai la paix de Christ et l'Esprit me parle, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que quelque chose de nouveau est entré dans ma vie. Parce que sa nécessité et ma femme, la même chose. Et du jour au lendemain, nous avons rompu, moi, avec le théâtre. Vous savez, j'étais arrivé, voilà, j'aurais pu continuer, faire une carrière, comme on dit. Et j'étais bien parti pour ça. Mais je l'ai arrêté instantanément. Parce que ça n'avait... C'est pas que j'étais héroïque. J'ai pas fait ça pour sacrifier quelque chose à Dieu, non. Je me suis dit, mais c'est futile, ça, c'est nul, ça ne sert à rien. Je n'ai pas trouvé Dieu là, mais là je l'ai trouvé dans ce petit sentier étroit et resserré. Beaucoup de chrétiens, vous suivez Dieu de loin. Vous n'avez pas de vraie relation personnelle avec Dieu.
Les chrétiens qui suivent, mais pas de trop près. Pas de trop près, hein. Il y a aussi bien des chrétiens comme ça, vous savez. Alors ils viennent tant de temps, comme ça, dans l'église. Mais pas trop quand même, vous comprenez? On doit garder quand même sa souveraineté, on doit garder son... C'est tellement pratique. Alors on vient de l'année le plus possible, mais ça s'arrête là. Il y en a plein comme ça aujourd'hui. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais frappé par quelque chose, et je n'y suis plus allé. Dieu, je crois, ne voulait plus que j'y aille. J'y étais pendant 4 années. Je me suis posé la question, mais on n'aura pas de conversion. Je n'aurai pas de conversion. C'était une grande église. Hein. Il y avait, je ne sais pas combien de monde, là. Mais il n'y a pas de conversion. Jamais de conversion. Par contre, il y avait des nouveaux qui arrivaient d'une autre église, et puis d'une autre, ceci, qui restaient 3 mois, puis qui partaient dans une autre. Et un jour, j'ai compris, parce que j'ai prêché dans pas mal d'églises, qu'il n'y avait quasiment pas de conversion, de ce que j'ai vu moi aux États-Unis. Mais des touristes qui courent, qui vont d'une église à l'autre. Et quand l'église ne convient pas à tous leurs caprices, à toute leur définition de l'église, s'il vous plaît, alors ils partent. Ils suivent Jésus de loin, de très loin même. Le seul endroit où j'ai amené au Seigneur quelqu'un, non, les deux seuls endroits où j'ai amené quelqu'un au Seigneur, c'est dans une église de Coréens du Sud qui priait quand vous entriez dans ce lieu-là, il y a une telle présence de Dieu, c'est énorme. Et là, j'ai pu amener des âmes au Seigneur, une âme au Seigneur, une, je pense. Amen. Il y a tant de chrétiens qui, sont... Alors, ils ont des excuses, ces chrétiens-là. Toujours. C'est toujours la faute des autres. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il y a du vrai, mais est-ce que je dois quitter une église parce que mon pasteur a parfois un mauvais caractère? Oui ou non? Est-ce que je dois quitter l'église parce que, très orgueilleusement, j'étais m'asseoir et pendant 2 mois, j'ai attendu qu'on s'occupe de moi et personne ne s'occupait de moi parce que l'église était débordée. Vous avez des gens comme ça, j'ai entendu ça une fois. Et si le Seigneur permettait que personne ne s'occupe de toi parce que le Seigneur veut voir ton humilité aussi? On interprète toujours tout en fonction de soi. Mais il y a un paradoxe là. Si je suis vraiment né de nouveau, si réellement j'ai pris ma vie passée en dégoût, je sais que je suis insignifiant. Je suis un être absolument insignifiant. Et si le Seigneur veut tester... Alors, j'ai déjà donné le témoignage, j'étais à peine converti 2 semaines, je vais dans une grande convention dans le sud de la France. L'évangéliste qui avait prêché, je voulais ma conversion, enfin je ne vais pas redire mon témoignage. Et alors, moi j'étais là comme un tout jeune, j'étais baptisé du Saint-Esprit depuis 3-4 jours. Mais j'avais, oh là là, j'en avais encore des problèmes et des difficultés. Bien sûr, c'est un jeune chrétien. Alors il y a l'appel qui se fait. Moi je me mets un peu timidement dans la file parce que j'étais un peu impressionné quand même. Hein. J'étais, oui, l'homme de théâtre, oui, il était impressionné, c'est très bien. Quand j'étais en face de l'État de Dieu, je tremblais comme une feuille. Parce qu'il y avait une onction, lui, je voyais une lumière autour de lui, phénoménale, et ça me faisait peur. Vous voyez la conviction de péché, même après la conversion. La crainte devant la sainteté de Dieu. Et alors, j'ai vu des gens qui se mettaient même devant moi, des vieux chrétiens, parce qu'ils voulaient absolument leur imposition des mains. Alors j'ai commencé dans mon cœur à tout de suite dire, mais... Ils sont gonflés quand même. Moi, je suis un jeune, et puis ils passent devant moi. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est moi qui le permets. Je dis, pourquoi, Seigneur? Je veux savoir, je veux commencer à savoir si tu as de l'humilité, mon cher. Et alors, je me suis approché. Et au moment où ça allait être mon tour, le prédicateur a dit, écoutez, je suis désolé, on reprend plus tard, parce que là, on doit arrêter pour les questions de ce pas quoi. Et là, Dieu m'a dit, tu as compris? J'étais un jeune chrétien. Combien de chrétiens aujourd'hui, si on ne leur donne pas la pâtée tout de suite, ouais, ils suivent. Vous savez ce qui m'est arrivé? Moi, je ne suivais pas Jésus de loin.
Je suivais de près, et c'est pour ça qu'il pouvait me parler. Beaucoup d'entre vous, Jésus ne vous parle pas, Dieu ne vous parle pas, l'Esprit ne vous parle pas, parce que vous êtes tellement loin du Seigneur, vous ne vous en rendez même pas compte. Ne cherchez pas ailleurs. Vous savez, c'est vite vu, moi, quand quelqu'un, je vois quelqu'un une vie ardente de prière, et qu'il y a des fruits, je sais que la personne, elle suit Jésus de près. Et ceux qui ne produisent jamais de fruits, eh bien, je suis obligé de vous le dire, vous ne suivez pas Jésus de près. Vous le suivez de plus ou moins près, ou de plus ou moins loin, ou peut-être même de très loin. Alors vous venez, et quand vous avez des défaites et des échecs, au lieu de vous repentir, vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Comment, qu'est-ce que tu dois faire? Mais où est ton cœur? Tu étais tellement loin de Jésus. Tu es tellement éloigné de Jésus. Que même quand tu fais le pire, tu ne te repens pas pour te rapprocher de Jésus. Mais tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? J'entends ça régulièrement. Ça, c'est les questions de ceux qui marchent très loin de Jésus. Qui s'agitent peut-être beaucoup et qui croient qu'en faisant cela, ils sont près de Jésus. Mais tu peux être très agité, tu peux être même un serviteur de Dieu et croire que tu es près de Jésus, tu es très loin de Jésus. Tu peux construire des programmes de toutes sortes et être très loin de Jésus, comme Pierre. Loin. Je répète, quand je vois des personnes qui reçoivent vraiment du Seigneur des choses qui viennent de Dieu et que c'est du solide, j'ai compris. Ces personnes sont proches de Jésus. Je pourrais... Il y a des personnes ici, je pourrais leur demander, je sais comment elles étaient proches de Jésus il y a 10 ans, comment elles sont aujourd'hui. Elles diraient tout de suite oui. Mais ça s'est passé comment? Certains, vous savez très bien. Parce que ça vous a montré que vous étiez loin de Jésus. Qu'il y avait de l'orgueil, qu'il y avait de la rébellion, qu'il y avait toutes sortes de choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous vous êtes rapprochés de Jésus. Vous étiez sauvés, mais vous marchiez loin de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sauvés, mais ils marchent loin de Jésus. Je n'oublierai jamais cette femme qui était ici, dans cette assemblée, il y a tant d'années, qui m'a interrompu, même en pleine. Et en me disant, oh, mais toi, Chaim, tu vis toujours des choses extraordinaires. Mais moi, je ne vis jamais rien. Aujourd'hui, je saurais ce que je devrais lui dire. Mais tu marches tellement loin de Jésus. Tu marches tellement loin de Jésus. Donc, voilà, je vous ai promis que ce ne serait pas un long message. En fait, ceux qui suivent de loin sont toujours des rebelles et des égoïstes. Qui peuvent se déguiser en chrétien par toutes sortes de subterfuges. Et ils ont souvent d'ailleurs de très beaux discours religieux. Ils connaissent les meilleurs messages. Les meilleurs serviteurs de Dieu, ah, ils connaissent tout par cœur. Et là, ils vous écrivent parfois, en se permettant des remarques erronées, n'est-ce pas? Parce qu'ils croient qu'ils sont déjà des spécialistes. Mais ils n'appartiennent à rien, ni à personne, et ils font leur propre salade. Ces gens-là, moi je vais vous dire, ils marchent très loin de Jésus. C'est dans l'Église où tu dois vivre. L'Église, c'est un corps. L'Église, c'est un mystère. C'est une chose très profonde, l'Église. Et chaque respiration que tu as eue dans l'Église, chaque prière, chaque acte que tu as fait dans l'Église, ça a nourri l'Église de bon ou de mauvais. Je veux dire, c'est un corps, l'Église. Et tu en fais partie. Et tu ne peux pas te placer en extérieur et faire ce que tu veux, et te balader de gauche et de droite, ou venir une fois tous les 6 mois à l'Église. Parce que tu dis, tiens, et puis même t'adresser au serviteur de Dieu pour dire, voilà, j'ai tel et 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 tel problème. Et moi j'ai envie de dire, et tu es venu quand à l'église? Tu marches à des kilomètres de Jésus, et puis tu demandes à un serviteur de Dieu de te faire des cadeaux. C'est exactement ça, de te faire des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. C'est pas, je veux pas les faire, les cadeaux. Mais mes amis, c'est Jésus qu'il faut suivre. Et lorsqu'on suit Jésus,
Il a toujours les réponses à tous nos problèmes. On nous demande à nous, serviteurs, de faire ce que Jésus veut faire. Et même je ne veux pas le faire. Et je l'ai fait aussi parfois. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas à moi de le faire. Vous saisissez ce que je suis en train de dire ? Si vous marchez près de Jésus, vous aurez les réponses à tous vos problèmes. Un milliard de trillions de fois plus vite et mieux qu'avec n'importe quel serviteur. Nous, nous sommes là pour enseigner la parole. Nous sommes là pour exercer nos ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Nous sommes là pour être des anciens qui veillent, qui ont des antennes, et qui se rendent compte quand il y a des choses qui commencent à aller mal dans les assemblées. Nous sommes là pour ça, mais nous ne sommes pas de faux Jésus que vous provoquez parce que vous ne savez pas marcher vraiment derrière le Seigneur, avec le Seigneur. Vous marchez loin du Seigneur. Alors ne vous en prenez qu'à vous-même. Bénissez Dieu si Dieu vous fait croiser un serviteur de Dieu qui vous remet sur la bonne route. Mais ensuite, c'est de Jésus qu'il faut dépendre, de Yeshua, pas d'un serviteur de Dieu. Vous voyez, votre rôle est peut-être est de grandir dans la foi pour devenir un collaborateur des serviteurs de Dieu, pour travailler avec eux, pour rentrer dans un appel. Et on ne rentre pas dans un appel quand on ne suit pas Jésus de près. Aujourd'hui, il y a de véritables, je vais le dire, bandits qui s'autoproclament, j'en ai vu ces dernières années, qui marchent à des lieux de Jésus, qui abusent le corps de Christ, y compris dans les choses matérielles, et qui se présentent avec une arrogance effroyable, criminelle, comme des serviteurs. Mes amis, attention là, parce qu'on arrive dans des temps de folie pure. La clé, mes amis, c'est suivre Jésus de près et pas de loin, comme le faisait Pierre. Dans le cas de Pierre ici, et dans le cas de beaucoup de judéo-chrétiens, l'homme intérieur et l'homme extérieur ne sont pas en accord. Je répète, votre homme intérieur, c'est peut-être pas pour vous ici, hein, je ne sais pas, peut-être pour certains, mais je vous rappelle que tout ça, ça va sur YouTube, donc... Votre homme intérieur n'est pas en accord avec votre homme extérieur. Et ça, il ne faut pas être très malin pour le comprendre. Hein. Vous le savez très bien. Quand les jeunes chrétiens, parce que c'est répandu aujourd'hui, vont en cachette sur des sites porno, ne me dites pas que leur homme intérieur est en accord avec l'homme extérieur. Leur homme extérieur, c'est je viens à l'église, je ne montre rien. Tu es un hypocrite. Tu suis Jésus de loin. Tu ne suis pas Jésus de près, donc tu ne pourrais pas le faire. Vous voulez la recette pour ne plus aller sur les sites porno, les jeunes qui m'écoutaient là, qui vont aller. Suivez Jésus de près. Convertissez-vous, suivez Jésus de près, vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus, c'est impossible. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, vous ne pourrez jamais la tromper. Vous ne pourrez pas la tromper, c'est impossible. Ma femme, elle m'habite. Elle est une seule chair avec moi. Et quand j'ai une seule chair, nous sommes une seule personne. Elle m'habite. Elle a pris toute la place. Et je lui en sais gré. Comment voulez-vous que je la trompe? Ce n'est même pas possible. Je vous ai déjà donné des témoignages. Dans mon ministère, j'étais confronté à des séductrices de très haut niveau, même des sorcières de Satan. Ça m'est arrivé en Écosse, quand je voyageais avec toi. Je n'ai pas pu. C'est impossible. C'est pas possible! Le diable a dû reculer. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Si tu suis Jésus de près et si tu fais des commandements de Dieu, ta nourriture, de cœur, mes amis, du cœur, tu ne peux pas. Tu seras incapable de le faire. Moi, je n'ai aucun mérite si je ne vais pas sur des sites ou des choses comme celle-là. Et parfois, je reçois des annonces. Vous savez, il y a plein de sites maintenant, si tu es seul, etc. Une fois, pour rigoler, hein, j'étais là, je dis qu'ils sont malheureux, ces gens. Mais c'est malheureux.
suis Jésus de près, tu vas aussi adopter sa parole, tu vas avoir soif. Moi, je n'oublierai jamais la période de ma vie où je disais, mais dans mon couple, c'est pas complet, il manque quelque chose. Alors j'ai cherché, j'ai regardé dans l'écriture, j'ai suivi Jésus de près, j'ai dit, je te tiens, je te lâche plus, faut que tu m'expliques, faut que tu me montres. Même le fait d'avoir été ravi au ciel avec Jésus, c'est parce que je lui ai demandé, je l'ai tenu de près pendant les années, j'ai dit, je veux te voir, Jésus. Je l'ai traqué, je l'ai tanné jusqu'à ce... Comme cette femme qui saisit le vêtement et qui est guérie. Mais ce n'est pas ça que vous faites beaucoup. Vous n'avez pas de passion pour le Seigneur. Il faut de la passion. Quand on a rencontré quelqu'un qui vous aime et vous sauve comme ça, si on n'a pas de passion pour la personne, alors vraiment, qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut me sauver? Alors bien sûr, le Seigneur sur le quai d'une gare m'a montré que j'étais un gosse attaché à sa maman et qu'il me fallait me tourner et bénir ma femme. J'avais jamais pensé à ça. J'étais stupide, comme la plupart des hommes. Mais Dieu a eu pitié de moi, il m'a dit, tu veux savoir, je vais t'expliquer. Je l'ai fait. Et je suis remonté dans le train et en 5 secondes, tout mon livret rad, il était devant mes yeux. Toute la vérité de Dieu sur le couple est venue. Ça fait que Maurice Ray, le pasteur Maurice Ray, ici en Suisse, m'a invité un jour chez lui et m'a dit, frère, ce que vous avez écrit là, j'ai rêvé toute ma vie de l'écrire, mais vous êtes arrivé à l'écrire. C'est pas pour faire cocorico, je dis ça. Tant pis pour ceux qui le croiront. Je m'en moque. C'est pas ça le but. Ça veut dire que si tu n'as pas une passion pour le Seigneur, si tu ne suis pas Jésus de près, si tu ne t'attaches pas à lui, alors qu'il t'a sauvé, mais ta vie sera médiocre. Tu vivras rien du tout. Il faut que ton homme intérieur soit en accord avec ton homme extérieur. Ok? Et ce désaccord de l'homme intérieur avec l'homme extérieur, c'est exactement l'état de Paul à ce moment-là. Si on continue, il est dit, il s'assit avec les serviteurs. Alors là, je vais interpréter, je ne dis pas que c'est là. Je vais interpréter un peu, mais je crois que ça va nous parler. Il n'est pas rentré à la porte du là où ça se passait avec les hein. Il est resté avec les serviteurs. Les serviteurs ici, c'était des gens qui s'en fichaient complètement de ce qui se passait. Eux, c'était le tup-tup-tup-tup-tup, ils gagnaient des sous-sous en faisant balayer les trucs, nettoyer, ils faisaient du feu, là-là, bonjour, Raph, comment allez-vous? Oui, Baruch Hashem, ils s'en foutent complètement, mais ça fait, d'accord? C'est les boys, c'est les, voilà. Et il y a des chrétiens comme ça aussi. Paul rejoint des gens insignifiants. Comment? Ah, Pierre, oui, pas Paul, oh là là, merci ma chérie, oui, Pierre. Ce sont des exécutants, par intérêt. Ceux qui ne prendront jamais de risque, quel que soit leur maître. Vous savez, vous avez des gens comme ça, hein, ils travaillent pour Pierre, Jacques, Paul, voilà, et on ferme les yeux, hein, voilà, on ne prendra jamais de risque. Ok? Et c'est l'image qu'on donne d'ailleurs des serviteurs dans les films, on voit. Hein. Oui, monsieur. Jérôme, allez porter le poison à madame pour qu'elle le boive. Oui, monsieur. Jérôme va prouver. Il est stylé. Il est stylé, vous voyez. Il y a les chrétiens comme ça, ils sont stylés, vous voyez. Quel que soit le scandale, ils sont stylés. Ça vous choque, j'espère, un petit peu. Quand j'entends que dans une église, un jeune couple, comme Jérôme l'a dit, au moment de se marier, il dit à tout le monde, parce qu'il fait un petit speech. Oh ben vous savez, maintenant c'est comme ça, ma fiancée, moi, va se marier aujourd'hui. Et tout le monde est là avec les beaux chapeaux, les beaux costumes. Tout le monde est très stylé, bien sûr. Ouais. En fait, on va vous dire, on couchait déjà ensemble. Hein. Mais aujourd'hui, l'église a les idées larges. Et le pasteur sourit, paraît-il, et lui dit rien.
Ah oui, il est dans son beau costume pour le mariage, stylé. Il faut pas, il faut surtout pas déranger la journée, vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait pris les cordes, il aurait sucé tout le monde de l'église en disant, vous n'allez pas. Alors les chrétiens stylés, vous savez, qui trouvent toujours le mot, il y en a beaucoup. Il s'assit avec les serviteurs, donc des hésitants par intérêt, ceux qui ne prendront jamais de risques, quel que soit leur maître. Alors fuyez ces églises-là, mes amis. Fuyez ces faux serviteurs, fuyez ces serviteurs qui ne vous choqueront jamais, de toute façon. Moi, heureusement, mes maîtres, mes ceux qui ont été à la base de mon ministère, waouh, c'était des gens choquants. Hein. Richard Wurmbrand. Vous n'avez pas côtoyé Richard Wurmbrand, moi j'ai côtoyé. Hein. Une semaine, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, il m'a humilié, il a tout fait. Puis j'ai pas manché. Mais à la fin de la semaine, il a dit, vous, ça vaut le coup de vous établir comme pasteur. Devant tout le monde. C'est un homme qui était dirigé par l'Esprit de Dieu, et quand il faisait certaines choses, qui paraissaient déroutantes, la main de Dieu. Vous savez, Smith Wigglesworth, vous vous rappelez de Smith Wigglesworth? Cet homme, c'était un plombier, je pense, non, de profession, tout simple. Alors un jour, il était devant une personne malade. Vous savez ce qu'il a fait? Non, mais c'est vrai, c'est... Il a pris son poing, il a tapé dans le... Au nom de Jésus! Il lui a dit, oh, je suis guéri. D'ailleurs, c'est bizarre, chasser un démon par un coup de poing dans l'estomac, c'est bizarre. En attendant, parce qu'il était guéri. Il n'a pas tapé au point de rendre la personne complètement. Mais il a tapé. Vous croyez que l'Esprit de Dieu ne fait jamais des choses. Relisez l'Écriture. Hein. Jésus en a fait pas mal. Hein. Alors il ne faut pas imiter non plus. Pourquoi est-ce que Jésus prend de la terre et crache dessus et met sur les paupières d'un aveugle et l'aveugle est guéri? Je ne sais pas. Moi j'ai toujours. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Mais je ne vais pas le faire parce que Dieu ne m'a pas dit de le faire. Mais je me rappelle avoir fait les choses dans de bien la rencontre qui échappait complètement à la raison et qui produisait des miracles. Certains vous l'avez vu peut-être, vous vous souvenez, je ne sais pas. Donc, voilà. Quel que soit leur maître, toujours d'accord. Alors ça, c'est la version, j'allais dire, avec un peu d'humour, chrétienne de Shalom Arshav, la paix maintenant. Mais ce genre de chrétien, tout va toujours bien, vous savez. Vous connaissez ce genre de chrétiens? Ça, c'est les chrétiens qui suivent Jésus de très loin. Frère, manquez d'amour. Il faut de l'amour devant certains scandales, ou il faut le vrai amour devant le scandale, mais c'est quand même une sainte colère, non? Si tu suis Jésus de près, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Quand quelqu'un a vomi devant moi il y a quelque temps, n'est-ce pas, toute sa saleté. Mais j'ai fait un bond en arrière de 4 km. C'est insupportable. Et c'est normal. C'est normal. Dieu est un Dieu d'amour, de pardon, mais pas un Dieu de... Mais oui, c'est pas grave. Repends-toi. Ça va aller. Mais il y a des choses, on ne peut pas dire ça va aller. Ça va changer, oui. Ok? Il y a des chrétiens comme cela qui préfèrent fréquenter les seconds couteaux, car comme Pierre, ils se tiennent avec les seconds couteaux, vrai, bien au chaud. La chaleur étant produite dans l'Église par les chrétiens responsables, par ceux qui vraiment suivent Jésus de près. Il fait chaud autour d'eux en général. D'ailleurs, c'est curieux que l'onction est souvent associée à la chaleur. Alors on sonne chaleur. Amen. Attention, mes amis, je parle ici de ceux qui sont consacrés. Et souvent, on se met à l'ombre des consacrés parce qu'on en profite, tout simplement. Amen. Mes amis, l'heure du test viendra. Et ce sont les serviteurs qui se chauffent, qui ont été, n'est-ce pas, pour Pierre, les outils qui l'ont révélé à lui-même. Ce qu'il était. Rappelez-vous, il y a une servante qui va demander à Pierre, « Eh bien, je vais vous dire quelque chose.
Si vous vous planquez près des chrétiens qui suivent Jésus de loin pour avoir la paix, ce sont ceux-là, un jour, qui seront les outils pour démontrer, bien que eux-mêmes sont des gens qui suivent Jésus de loin, c'est eux qui vous dénonceront. Jamais Jésus. Si tu suis Jésus de près, dès que tu pèches, il te le dit, tu te repens, il envoie aux oubliettes. Si tu suis Jésus de loin et que tu te chauffes avec les tièdes dans l'église, ce sont ces tièdes-là qui un jour vont te dénoncer. Je vous garantis. Quels sont ceux qui propagent des ragots, vrais ou pas vrais? Vous savez qui c'est? C'est une race de judéo-chrétiens qui suivent Jésus de très loin, mais qui trouvent un plaisir formidable. Parce qu'ils ne connaissent plus Jésus, ne connaissent plus Yeshua. Ils n'ont pas l'intimité avec Yeshua. S'ils avaient de l'intimité avec Yeshua, ils seraient pleins d'amour, pleins de recul avant d'accuser sans savoir. Mais ils ne suivent pas Jésus de près. Il y en a plein. Il y en a plein. Il suffit d'aller un petit peu sur YouTube, j'y vais jamais, hein, ça ne m'intéresse pas. Il y en a un saint du africain, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dénonce avec un courage. Alors, il suffit de voir ceux qui sont dénoncés avec preuve, s'il vous plaît, avec preuve, attention, hein, avec des preuves. Comment ils réagissent? Oh là là. Mensonge, n'importe quoi. Et il y a un pasteur africain qui a réagi contre cet homme, j'ai suivi ça sur YouTube, et il a dit des choses, mais alors il a été révélé comme un ignorant complet de l'écriture, parce qu'il, pour justifier la doctrine de la prospérité, hein, vous connaissez cette abomination, il a dit oui, mais le jeune homme riche, en réalité, dans l'Écriture, il dit que Jésus lui dit « Vends tous tes biens et suis-moi ». Et pas lui, il dit « Mais en fait, vous n'avez pas bien lu, dans la Bible, il est écrit qu'il a tout vendu, qu'il a tout donné à l'Église. » Et après, il est devenu riche, de nouveau. Alors, l'intervieweur a dit « Mais vous avez lu ça où, dans la Bible ?»« Ah mais si. » Le gars, il a été obligé, si vous voulez, de dire des âneries pour justifier une doctrine qui est malsaine. Mais voilà les pasteurs qui suivent Jésus de loin. Voilà les chrétiens qui suivent Jésus. Et il y en a plein aujourd'hui. En fait, ce qu'ils suivent, c'est tout autre chose. Ils suivent les femmes qui veulent prendre, excusez-moi, hein, il peut. Ils suivent l'argent qu'ils veulent pour eux, qu'ils veulent prendre pour eux. Ils suivent la reconnaissance orgueilleuse n'est-ce pas, dans l'Église. Ils veulent avoir une réputation, ils veulent être des grands, n'est-ce pas? Amen. Mes amis, l'heure du test viendra, et nous allons lire, et je terminerai là-dessus, voyez, je vais encore lire la paracha, qui dit ça, rapidement. Nous lirons Marc 14, verset 66, mais avant de le lire, et par respect pour Yeshua, nous allons lire d'abord Marc 14, verset 55 à 65, nous allons donc lire ça. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Yeshua pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Vous voyez, le Sanhédrin était constitué d'hommes qui ne suivaient pas du tout Dieu de près. Jésus encore moins. Pourtant, Jésus était parmi eux. Ils n'ont pas voulu le suivre de près. Et regardez ce qu'ils ont autour d'eux. Des faux témoins. Ça nous rappelle quelque chose qui vient d'être dit. Toujours dans ce cas-là. Des menteurs. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. En plus, c'était la pagaille. Pour les faux témoignages, ils n'étaient même pas été capables de donner le même faux témoignage tous. Ils sont embrouillés. Et on continue jusqu'au verset 62.
Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Yeshua et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Yeshua garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils Dieu béni ?» Donc le Mashiach en fait. En termes hébreux, es-tu le Mashiach, le fils de Dieu, on va dire quoi, le Ben Elohim, hein? Ok. Yeshua a répondu, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Voilà, donc, on va jusqu'à 65, pardon. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tout ce qu'on a l'air comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Vous voyez les serviteurs, les fameux serviteurs. Eh bien, ce sont ces hommes-là que Pierre... Vous savez, la proximité de Pierre avec Jésus à ce moment-là, c'est avec les serviteurs. Pas plus loin. Que ferez-vous si on amenait votre pasteur ou un de vos anciens à coup de poing dans la figure pour le tuer sur la place publique? Et qu'on vous dira après, vous renoncez à Jésus ou on vous en fait autant? Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous ferions, si vous préférez? Là qu'on verra si on suit Jésus de près ou de loin. Et vous ne demanderons pas de renier votre pasteur, vous renier Jésus. Il y a un grand silence. Alors moi, je pose la question à tous ces chers chrétiens, ces chers judéo-chrétiens, qui errent de partout, certains. Bénissez Dieu si Dieu vous donne le contact avec un homme de Dieu qui vous aide à revenir dans la bergerie. Mais je peux vous dire que 80% d'entre vous, même quand le Seigneur va vous rechercher au travers d'un homme de Dieu, vous trouvez encore le moyen de trahir le Seigneur, de trahir les serviteurs de Dieu, et de trahir l'Église qui vous accueille. Nous l'avons vu parmi nous, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. Et de quelle façon? Alors, nous allons lire Marc 14, verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Peut-être que son mari a tapé Jésus en plein visage quelques secondes après. Donc c'est vraiment pas quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas? Pierre qui disait à Jésus, il faut que je souffre et que je monte sur la croix, etc. Ça, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. Hein. Moi, Pierre, je suis un bon garant. Voyant Pierre qui se chauffait, en plus il se chauffe. Et lui dit, toi aussi tu étais avec Yeshua à Nozri. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. À ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença, rendez-vous compte, à faire des imprécations et à jurer. Vous voyez, il suivait Jésus de loin. Des imprécations. Waouh, ça veut dire qu'il a carrément dit des choses sérieuses pour affirmer qu'il n'avait rien à voir avec Jésus. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Yeshua l'avait dit, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en réfléchissant, il pleurait. Il a pleuré. Pourquoi? Il a pleuré de honte. C'est effarant de voir comme tant de judéo-chrétiens viennent confesser leurs péchés et n'ont jamais une larme de honte. Pas de larmes. On vous pose même la question, ouais, je suis dans le caniveau, alors qu'est-ce que je dois faire?
Allez, pasteur, donne-moi une petite pilule pour que j'aille mieux. Où sont tes larmes? Où est ta honte? Quand vas-tu naître de nouveau? Quand vas-tu naître de nouveau? Tu ne veux pas naître de nouveau. Tu ne veux pas. Tu veux suivre Jésus de loin pour profiter au max. Ça oui, tu veux. Comme les catholiques que j'ai vus dans mon enfance, qui étaient des gens qui vivaient dans le péché, des gens qui se vantaient de coucher avec des femmes, comme ils voulaient, et qui s'en vantaient entre hommes, vous voyez, les militaires. Mais à Noël, ils venaient voir le petit Jésus avec des étoiles dans les yeux. Vous voyez, c'est toujours bon à prendre. On va être saint au moins une fois pendant 2 heures à la messe de minuit. On suit Jésus de très loin, mais parce qu'on ne sait jamais, tu comprends, on ne sait jamais. Parce qu'au dernier moment, peut-être que j'aurai une bonne petite bénédiction, et puis j'irai au ciel quand même. Hein. Et puis si ça ne va pas, je passerai par la case purgatoire. Mais tu vas en enfer. Tu vas droit en enfer. Tu files droit en enfer, en réalité. Tu files droit en enfer. C'est un lieu abject où le Seigneur t'enverra parce que tu n'as pas de place, tu n'as pas voulu le suivre, tu as méprisé l'amour qu'il a eu pour toi, tu as méprisé la grandeur du sacrifice qu'il a accompli pour toi, tu iras en enfer. Voilà la place où tu vas aller, et c'est nulle part ailleurs. Alors Pierre, c'est aussi... n'est-ce pas l'échec de l'homme qui a tout essayé par sa propre force, sa propre justice. On le voit dans l'Écriture, je ne vous rappelle pas, vous connaissez Pierre. Et qui, ici, va, en trahissant Jésus, réaliser enfin son échec et se convertir. Et beaucoup d'entre nous, j'en parlais encore à quelqu'un déjà hier, je dis, mais tu es tout le temps en train de fonctionner comme une personne catholique. Tu t'agites, tu fais des tas de trucs, tu crois que par là tu vas plaire à Dieu. Mais tu déplais à Dieu. Tu déplais à Dieu dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Ce que Dieu veut, c'est que tu constates ton échec. Et que tu comprennes qu'il est le seul qui peut te changer. Et il le fait comme ça. Gracieusement, parce qu'il est amour. Mais tant que tu t'évertues à vouloir de toi-même te prouver que tu es bien, que tu t'agites, que tu fais ça, que tu fais ça, tu dis à Jésus implicitement, j'ai pas besoin de toi. Tu peux venir à l'église tant que tu veux, si tu dis à Jésus, j'ai pas besoin de toi. Si tu es rempli de toute ton énergie, toute ta force, de toutes tes activités, de tous tes projets, tu peux donner ton corps à brûler. Quand il est écrit dans l'Écriture, même si tu donnes ton corps à brûler, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est quoi avoir l'amour? C'est quoi ici avoir l'amour? Non, l'amour pour le Seigneur. Moi, j'aime ma femme. Si elle descend à la buanderie qu'elle ne me dit pas, après 5 minutes, je la cherche partout. Partout. Et elle aussi. Si je ne reviens pas à l'heure prévue, parce que... Oh, comment? Elle téléphone. Mais avec Jésus, c'est la même chose. Si Jésus sort de ma vie, sortait de ma vie 2 secondes, mais moi, je ferais tout la terre à 25 000 km à l'heure 3 fois tout de suite pour essayer de le retrouver. Parce que je l'aime. Parce que je suis de près, parce qu'il m'aime, il me l'a montré. Mais si tu l'abandonnes une fois pour toutes, toute cette œuvre de la chair, de ton âme, qui vient de ton orgueil, ta fierté de vouloir être, de vouloir faire. Vous savez, c'est l'éternel problème du moi, je. Toi, rien du tout. Toi, c'est zéro, il n'y a rien de bon. C'est tout, il faut l'accepter une fois pour toutes. Et pas pour rester comme ça et dire, et puis je fais quoi?
Mais c'est à ce moment-là qu'il faut demander, il faut comprendre que Jésus, comme il me l'a dit quand j'ai accepté le Seigneur, il m'a dit, mais je t'ai suivi 33 ans. Il te suit tous les jours, mais c'est toi qui n'en veux pas. C'est toi qui lui opposes ta propre justice, ton activisme, ton orgueil, toutes ces choses. Inutile. Inutile. Ça pue. Ça énerve le monde. C'est tout ce que ça fait. Ça produit rien de bon. Alors laisse. Reconnais. Et demande à Jésus de te sauver de cette nature orgueilleuse qui veut faire s'agiter, qui veut montrer quoi finalement. Je me rappelle d'une sœur, elle est ici, tant pis, je vais dire, il y a quelques années, elle me téléphonait quand j'habitais pas loin d'ici, et qu'elle me disait avec une petite voix toute gentille, « Ah, tu veux des pommes, des machins ?» Vous savez ce que je ressentais quand elle me parlait comme ça? De la colère. J'étais en colère. Je dis, moi, la paix. J'ai jamais demandé des pommes, ni des oranges, ni des prunes. Tu fais ça pour te faire plaisir. Tu fais ça pour te donner presque un genre. Ça provoquait en moi, le Saint-Esprit en moi était en colère. J'avais envie de répondre, je t'ai pas sonné. J'ai pas besoin de... Tu le fais pas parce que tu sais que j'en ai besoin, non. Tu fais ça parce que, voilà, c'est ton âme. Il y a des églises comme ça, hein, où on sanctifie les bons comportements. Alors à l'entrée, vous avez l'hôtesse d'accueil, et puis vous avez la sœur du café, et puis vous avez le frère de la librairie, et puis il y a celui qui vous conduit à votre siège, et qui est gentil avec vous. Ils sont contents. Ils voient des bonnes sœurs. Vous avez des bonnes sœurs. Il y a des églises où on sanctifie ça, et où on ne prêche pas la repentance. Vous êtes perdus. Vous êtes égarés. Ce que je ressentais quand la sœur me téléphonait, et je les ai dit plusieurs fois, c'est ce que Jésus a ressenti devant Pierre. Quand Pierre lui a dit, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan !» Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et je ressentais la même chose avec cette sœur. Arrière de moi. Allez, va-t'en. Tes sucreries, tes mièvreries, tes belles, tout ça, rien à faire de ça. En attendant, c'est des gens, je ne veux pas ici stigmatiser, puis quand vous regardez bien leur vie, là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Seigneur veut, c'est toi. Et il veut pour ça que tu t'attaches à lui. Et que tout ce que tu feras, tout ce que tu produiras, tout ce que tu diras, ce sera le fruit d'une histoire d'amour avec Jésus. Et rien que lui. Le reste, tu oublies. Mes sœurs, oubliez vos grimaces et vos gentillesses inutiles. Soyez vraiment aimables avec vos époux. Aimez-les. Je veux dire, donnez-leur ce à quoi ils ont droit. Prenez votre place de femme chrétienne, de judéo-chrétienne. J'ai visité tant de familles où j'avais envie de m'enfuir quand j'étais en ministère itinérant. Parce que comme j'étais un pasteur, on me faisait des grands repas. Et je n'en avais pas envie. Ça me fatiguait. Ça ne me plaisait même pas. Je n'avais même pas envie de manger. J'aurais préféré une table simple avec le plat du jour et pouvoir parler du Seigneur avec les gens. Et voir si cette famille était une famille qui suit le Seigneur. J'aurais aimé qu'au lieu de m'amener des hors d'œuvre avec, comme ça, avec au lieu de me proposer de l'alcool que je ne buvais pas, parce qu'ils n'en buvaient pas qu'un peu, hein. J'aurais tellement aimé qu'ils m'expliquent comment ils suivent Jésus de près, qu'ils me donnent des témoignages. Mais non, le serviteur de Dieu, on lui fait tellement manger qu'il va devenir obèse. Il y en a, j'étais devenu à un moment donné. Pas obèse, mais 114 kilos. Ben oui. Et puis, quand il s'en va, peut-être le critiquer, d'ailleurs. Mais c'est pas ça. J'aurais aimé m'asseoir à la table, peut-être rien manger,
Bon, un peu. Tartine, combien de fois j'ai dit une tartine avec du fromage, ça me suffit, ça va, j'ai pas faim. Je viens de servir Dieu, je suis plein de la présence de Dieu, j'ai pas faim. J'ai pas envie, c'est tout. J'ai pas envie de. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des gens chez qui je veux même plus mettre les pieds parfois. Ils m'énervent. Ah, c'est toi. Ah, tu veux que tu me sens. Mais fiche-moi la paix. Qu'est-ce que tu as à me dire de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu cette semaine qui va m'intéresser de ta vie? Alors, ne m'invitez pas chez vous s'il n'avait pas un truc à me donner. La part du Seigneur. Je ne viens pas. Voilà. Ou alors, vous faites simple. Demain, je vais chez des plantes, que je leur ai fait le menu, c'est caviar et tout. Mais rien que du caviar. Bon, on va lire la parachate et puis on s'arrêtera. Et après-midi, on demandera à Shmuel de nous apporter la parole. Donc on va aller, alors comme par hasard, ce n'est évidemment pas un hasard, la parachate de la semaine, qui est donc bien la parachate, que je ne dise pas de bêtises, Kitissa, oui, c'est bien celle-là. Dans Shemot, elle confirme complètement le message que je viens de vous donner. Donc, si je résume le message que je viens de vous donner, nous devons tous être des amoureux de Jésus et le suivre de près. Alors, nous avons une unité. J'espère qu'ici, vous avez compris, et on pourrait peut-être prendre un petit temps de prière, et après la lecture de la parachate, et le court commentaire de le faire, parce qu'il serait temps, peut-être pour certains, que vous commenciez à aimer Jésus, vraiment. Et pour aimer Jésus, il faut se renier complètement. Si vous ne passez pas par cette étape, vous ne pouvez pas aimer Jésus. Vous faites de la religion. Il faut aller en Bretagne ou en Belgique, profonde, là, il y a plein d'idoles, de statues, de machins. Vous connaissez ces vieilles femmes qui fleurissent dans les vieilles églises catholiques, qui fleurissaient des statues des saints? Oh là là! Vous n'avez jamais vu ça quand vous étiez petit? Oh! C'était horrible. Elles cultivaient des glaïeuls dans leur jardin, hein, et puis elles allaient ensemble avec leurs fleurs et sur la route. Eh ben dis donc, hein, le fils de la Marie, là, il est. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Oh, la pire, vraiment, oh là là, oh là là. Et puis, tu sais, il me semble que. Ah, oh, le curé, quand même! Il va fort, là, quand il dit bonjour à Madame Dupré. T'as vu, hein, hein, hein? Ouais, ouais, ouais. Et on arrivait à l'église, et puis, on allait à Sainte-Gudu, à Sainte-Tutu, à Sainte-Tout ce que vous voulez, et on mettait des fleurs. Marie. Mais c'est terrible, vous savez. Mais certains d'entre vous, c'est ce que vous faites. Beaucoup de judéo-chrétiens, vous faites ça. Je caricature à peine, vous savez. Je l'ai vu, moi, ça. J'ai vu quand j'étais gosse. Un village de grand-père en Belgique. La honte. Amen. Nous lisons Parashat Kitissa, quelques versets, et nous allons voir que le Seigneur nous invite à être tous unis, mais unis. Vous savez, vouloir être unis. Comment on est unis? Parce qu'on a la même conviction. On va dans le même sens, le même carburant. C'est ça qui nous unit. Autrement, on a beau vouloir s'unir. Il n'y a rien de plus désuni que les clubs du monde où les gens veulent s'unir. Ils se disputent tout le temps. Ils veulent être unis. Hein. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a dit « Je fais partie... » Voilà, c'est Henri qui me disait ça il y a quelques temps. « Oui, je fais partie d'une association et voilà, je voulais faire des bonnes choses, etc. » Tout est tombé à l'eau tout de suite parce que tout le monde se dispute. Ben, oui, parce que tu viens avec tes... Et lui, il vient avec les siens. Et l'autre, il vient encore avec autre chose. Et puis non, c'est mon idée. Et puis bon, il n'y a rien de pire que ça. Les hommes politiques, c'est comme ça aussi. Hein, voilà. Paracha qui dit ça, Hachem parle à Moshe en disant, quand tu feras le relevé des enfants d'Israël selon leur nom, chaque homme donnera à Hachem. Bon. Ah, pardon. Chaque homme donnera à Hachem un pardon pour son âme, lorsqu'on les comptera, afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux, lorsqu'on les dénombrera. Alors c'est très intéressant, ça veut dire, afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux, lorsqu'on les dénombrera. Vous allez voir, bah oui, c'est clair.
Pourquoi est-ce que l'ennemi a pu nous attaquer comme il vous attaquer, parce que c'est vous qui l'a attaqué, comme il l'a fait. Moi, j'étais attristé de ce que j'ai vu. Comment l'ennemi a-t-il pu attaquer comme il l'a fait? Et dire, mais frère, c'est ta faute, tu aurais dû empêcher cette personne de venir. Non. Il a pu attaquer là où il y a des failles. C'est tout. Et parce que Dieu garde son œuvre. Les failles ont été mises en lumière, c'est tout. L'œuvre n'est pas par terre, mais les failles ont été mises en lumière. Ça veut dire que le fléau est passé parce qu'il n'y avait pas... Tout le monde ne vivait pas la même chose. Et la même chose, c'est... Je viens d'en parler pendant une heure, ça suffit, vous avez compris. Si vraiment vous avez accepté le Seigneur et que vous êtes né de nouveau, ben écoutez, voilà. Afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux lorsqu'on les dénombrera. Voici ce qu'ils donneront. Quiconque passe par le dénombrement. Un demi-shekel selon le shekel sacré. Le shekel est de 20 guéras. Un demi-shekel en prélèvement pour Hachem. Quiconque passe par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà donnera le prélèvement de Hachem. Le riche ne donnera pas l'avantage et l'indigent ne donnera pas moins de la moitié d'un shekel pour acquitter le prélèvement de Hachem pour obtenir le pardon pour vos âmes. Ça veut dire quoi? Que Dieu est injuste. Le riche et le pauvre donneront exactement la même somme. Ça veut dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est exactement le même processus pour toi si tu veux faire partie du corps. Vous comprenez le message sous-jacent? C'est pas une question d'argent ici. En donnant le demi-shekel, c'est une façon de dire je fais partie du corps. Et si j'appartiens au corps, j'ai le même état d'esprit que tout le corps. Donc, une église ne peut pas être constituée, or elle l'est largement aujourd'hui, de gens nés de nouveau et d'autres qui ne le sont pas. Il faut de nouveau prêcher l'évangile de base, l'évangile du salut qui n'est plus prêché et qui fait que dans certaines églises, 100% même des personnes ne sont pas nées de nouveau. Et dans d'autres, 80% ne sont pas nées de nouveau. Et dans d'autres, peut-être 10% ne sont pas nées de nouveau. Mais c'est encore trop. Si tu es dans l'église, tu prétends être dans l'église, tu dois être né de nouveau. J'en ai parlé assez il y a une heure. Vous avez compris, si vous ne voulez pas comprendre, si ce n'est pas du cœur. Mes amis, si votre cœur, au fond, je vais vous dire, je crois que ceux qui ont soif de Dieu, moi je vais vous confesser, ma femme aussi, nous avons été pécheurs, mais nous avions soif de Dieu. Déjà avant notre conversion. Donc on a cherché, on a fini par trouver. Et ça nous est paru évident quand on a trouvé. On n'a pas hésité à tout lâcher. Ma femme, du jour, elle était en dernière année de l'Académie des Beaux-Arts, c'était un bac plus 7 en Belgique. Elle sortait de là, elle était prof. Elle était une des meilleures de sa classe, de toute l'Académie. Pas pour la vanter, je dis ça, mais c'est vrai. Du jour au lendemain qu'elle a accepté le Seigneur, elle a vendu ses pinceaux, c'est tout. Elle est allée à l'école, elle a dit, j'ai rencontré Jésus, c'est fini, je m'en vais. Les profs, c'était fou. Fou de rage. Il y en a un, il était très occulte et sa proie lui échappait. Et ma femme était sous son emprise. Mais elle a compris, c'était évident lorsque vous... Finalement, je vais vous dire, beaucoup de juifs chrétiens ne cherchent pas Dieu, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un avantage, ils cherchent une religion. Mais tu n'as pas cherché Dieu. Commence à chercher Dieu vraiment de tout ton cœur. Afin qu'un jour le Seigneur puisse vraiment te dire, maintenant tu abandonnes tout et tu me suis moi. Mais vraiment, pas seulement en parole. Tu prendras l'argent du pardon des enfants d'Israël et tu le donneras pour l'ouvrage de la tente d'assignation. Et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant Hachem, de façon à obtenir le pardon pour vos âmes. Mais vous vous rendez compte de ce qui est dit là? En plus, cet argent était pourquoi? Pour être déposé dans la tente d'assignation, pour être utilisé dans la tente d'assignation. Ça veut dire que vos âmes doivent être utilisées par le Seigneur. Non pas dans la tente d'assignation, elle n'est pas là, la tente d'assignation, dans l'église. Mais si votre âme n'est pas utilisable dans l'église, qu'est-ce qu'elle y fait? Elle n'y fait rien, elle n'y amène que du trouble.
J'ai presque envie de dire à certains, qu'est-ce que vous faites dans l'Église? Comment êtes-vous rentré? Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qui est terrible. Il y aura des noces un jour, et un homme entre avec un vêtement souillé, et on dira, qu'est-ce que cet homme fait ici? Jetez-le en dehors là où il y a des pleurs et des grincements de dents. On pourrait appliquer ça à l'Église aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'existait pas dans l'Église il y a 30 ans, il y a 40 ans. Quand moi je suis venu au Seigneur, tous les gens dans l'Église où je me trouvais étaient nés de nouveau, mes amis. Vraiment nés de nouveau, tous. Tous. Et ceux qui ne voulaient pas naître de nouveau, ils venaient deux fois à la réunion et puis ils partaient. Comment se fait-il que dans nos églises aujourd'hui, nous avons des gens qui stationnent là, ils ne sont pas nés de nouveau, ils vivent comme des... Et je vais le dire, comme des porcs. Et il faut encore les... Quoi? Comment est-ce possible? Que nous est-il arrivé? Comment est-ce possible? Parachat Kitissa, Shemot, Exode 30, versets 11 à 16. Et je lis tout. Oui. L'ensemble des participations financières pour la tente d'assignation, n'est-ce pas, lieu de la rencontre solennelle avec Dieu. Où est le lieu de la rencontre solennelle avec Dieu pour nous aujourd'hui? Vous n'avez pas de réponse? Vous rencontrez jamais Dieu, vous? Le premier, c'est où? Tous les jours? Chez vous. Mais le lieu solennel, par excellence, c'est quand on se réunit tous ensemble. Ok? Voilà. Mais il y a un message profond. Alors on va lire, n'est-ce pas, page 518, des versets 11 à 16 dans les commentaires. Les commentaires rabbiniques sont très précieux. Et donc j'ai dit, page 500, combien j'ai dit ? 518. Et nous lisons le recensement. La Torah nous apprend qu'il est interdit de compter les enfants d'Israël comme on le fait habituellement. Lorsqu'il faut effectuer un recensement, chacun doit donc apporter une contribution fixe. Ça veut dire quelque part, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut payer. Mais, enfin, payer, attention, on se comprend tout de suite. Oui, il y a un prix à payer. Tu es sauvé à la croix et c'est gratuit, mais on nous a enseigné après. Vous savez ce qu'on nous enseigne implicitement? Fais tout ce que tu veux après, tu iras au ciel de toute façon. Non, mes amis, il y a un prix à payer. Le demi-shekel ici signifie quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas les offrandes que vous ferez, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent. C'est, il y a un prix à payer pour faire partie de l'Église. Il faut suivre le Seigneur de près. Et je vous dis, beaucoup de judéo-chrétiens aujourd'hui, ils sont dans l'Église, ils sont nués dans les assemblées, ils sont une occasion de chute pour d'autres. Et ils ne sont pas des enfants de Dieu qui suivent Jésus de près. Et ceux qui suivent Jésus de près, ils le savent qu'ils suivent Jésus de près. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur dans leur cœur de ne plus suivre Jésus de près. Parce que la seule personne qui peut vous sauver, la seule personne qui peut vous faire vivre jusqu'au bout de votre vie de judéo-chrétien, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. C'est Yeshua. Pour le recensement effectué dans le désert, tous, les riches comme les pauvres, ont apporté leur contribution d'un demi-shekel destiné à la construction du tabernacle. C'est bien ça, hein? Vous voulez un tabernacle? Eh ben vous allez montrer. Ok. Il faut prouver que vous faites partie de ceux qui construisent. C'est ça le sens du demi-shekel. Hein? Alors il dit ici, la charité élève celui qui la donne. Oui. C'est donc par le biais d'une contribution de tous à une cause sacrée que l'on effectue le recensement du peuple d'Israël. On peut appliquer ça à l'Église. Vous êtes d'accord? C'est ce que nous enseigne aussi le sens littéral de l'expression employée dans le verset 12. Quand tu élèveras la tête des enfants d'Israël, qui sous-entend que l'objectif de ces contributions n'était pas tant de faciliter le recensement et de pouvoir aux besoins du tabernacle, que d'élever spirituellement les donateurs. Moi, je dirais dans l'Église que de révéler spirituellement les membres de l'Église. La participation identique de tous montre symboliquement
que chacun doit participer à la réalisation des objectifs nationaux, oui, et doit passer par le dénombrement en renonçant à ses intérêts personnels et égoïstes au profit de la communauté. Alors on transpose, si vous voulez bien. Et puis je vais terminer. Donc, un seul cœur pour Israël et l'Église doit aussi être constituée de croyants unis dans la consécration. Vous voyez que la paracha, elle confirme complètement le message du matin. Non ? Complètement. Pas de suiveurs de loin qui se chauffent pourtant à la lumière et à la chaleur de ceux qui sont consacrés. Tous unis, parce que tous consacrés. Pas de différence. Amen. Voilà, je m'arrête là. On va peut-être prier ce matin. Mais s'il vous plaît, pas la petite prière sous soupe de midi avec un peu de peau, tu vois ce que je fais. Mais Seigneur, faites-moi pardon. Taisez-vous si vous n'êtes pas prêt à vraiment me repentir. Arrêtez de jouer aux chrétiens. Alors, moi je vais faire qu'un seul appel à ceux qui suivent Jésus de loin, à ceux qui refusent de se laisser dépouiller des œuvres vaines, inutiles, charnelles. Et je suis désolé de devoir le dire ici, il y a souvent des sœurs qui confondent leur sentimentalité avec l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les femmes qui entouraient Jésus, si vous regardez bien, aucune n'a cédé à ce genre de choses. Celle qui répand un parfum sur la tête de Jésus, elle commet un acte prophétique. C'est pas « Oh Jésus, attends, je vais mettre un peu de parfum parce que je t'aime Jésus. » Jésus l'aura repoussé. Elle a obéi à l'Esprit de Dieu. Il a dit « Sacrifie une fortune, c'est une fortune. » Pour que Jésus puisse dire, n'est-ce pas, vous aurez encore les pauvres parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. C'est-à-dire, pour le moment, c'est moi qui suis important. Vous voyez le message Jésus ? Accrochez-vous à moi. Essayez de comprendre qui je suis. Jésus n'a pas cessé de dire ça pendant tout son ministère. Mais ouvrez les yeux. Essayez de voir qui je suis. Accrochez-vous à moi. Et je peux vous dire que, je vais le dire, c'est énorme ce que je veux dire. Il a raison, parce que moi je m'accroche à lui. Et si je n'ai pas Jésus, je meurs. Je m'effondre, je disparais, je me liquéfie. Ma vie devient triste à mourir. Elle deviendrait en tout cas. Alors vous allez me dire, ah c'est ça, vous avez accepté, vous êtes converti parce que vous vous ennuyez dans la vie, vous étiez désespéré, c'est une bouée. Bah, écoutez, c'est une drôle de bouée, hein, je peux vous dire. Elle est très vivante, la bouée. C'est un Dieu vivant, mon Dieu. Hein? En parenthèse, merci pour ceux qui ont prié. Les attaques cardiaques que j'avais n'étaient pas de mon cœur. C'était une attaque démoniaque. Et le jour où j'ai pris autorité là-dessus, dans la seconde, c'était fini. Voilà, c'est encore une des preuves que Jésus est vivant. Parce que je l'ai fait au nom de Jésus, bien sûr, au nom de Yeshua. Alors ce matin, je lance cet appel à ceux qui sont là. Si vous suivez Jésus de loin, je n'ai qu'un souhait, c'est que la honte vienne dans vos cœurs. Et que vous posiez des questions, peut-être. C'est qui Jésus pour vous? C'est qui Yeshua pour vous? C'est qui? Qui est-il? S'il n'est pas tout, ça n'a pas de sens. Vous savez, quand ce jeune homme-là est venu devant moi un jour en plein culte et qu'il m'a dit « Je te demande pardon, en face », il y a un curieux que du jour au lendemain, il a changé, il a tout. Ben, ce jour-là, il est né de nouveau. Il était peut-être sauvé, mais il avait été biberonné à du religieux. Hein. Pas peur de le dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce jour-là, il est né de nouveau. Il y a des moments où je ne sais pas comment être avec lui. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça, moi.
Un gars qui en une seconde naît de nouveau. J'ai rarement vu ça. Je ne veux pas qu'il s'en réussisse, hein, mais j'ai rarement vu. Je veux avoir des conversions comme ça. Quand un mari prend les choses en main et dit à sa femme, telle chose et telle chose n'est pas bonne pour ta vie. Je bénis, je dis, un homme comme celui-là est un homme béni. Et son épouse est une femme bénie. Remerciez le Seigneur. À vous de prier, si vous voulez. C'est enregistré, tant pis. Hein. On peut peut-être arrêter pour que vous puissiez prier. Inutile de mettre tout ça sur le... Voilà.